re. Donc allez, c'est parti pour la partie 5. C'est parti. Je suis un peu KO. J'avoue que faire 5 parties d'affilée là, ça me fatigue. Mais on va continuer. Thank you.
Ah, mais depuis tout à l'heure, je parle pas dans mon micro. Bon, les gravures ont envahi son village. Donc maintenant, on va pouvoir y aller. D'ailleurs, là, on va prendre le truc pour... Waouh. Ah, là, ça fait mal. Oh, on va claquer des bonbons et en racheter tant qu'à faire. Chapeau pour la gonzesse. On prend. Après ça. Oula, il fait super cher l'enfoiré. Allez. Allons tuer les sableros. Merde. Non, les gravios. Ce ne sont pas les Pokémon. Enfin. Voilà. C'est bon, c'est réglé. Moi je vais monter les gants. Putain, heureusement que je lui ai parlé, hein. Ça active un event, heureusement. Traverser les saisons du printemps à l'hiver, puis retourner au... Ok. Et on connaît la chanson d'Uzul. Hein. Ah là là. Saison. Oh la pastèque.
les points, ils font perdre conscience. En fait, c'est marqué là. Affecte les baveux lézards, l'épée. Alors, ça soulève les ennemis. Donc, ouais, ça veut dire que ça les empêtre. Et les points endort les ennemis, affecte les points de progression. Et les agilités fuite. Bon allez. Oh là là, le dragon. Enfin, il percute. Ah, il faut que je teste. Oh là là. Donc là, printemps, été. Oh, non, non. Non, là, c'est le printemps. Voilà, faut pas que je fasse de conneries. Là voilà, on est au printemps, on va en été, c'est à gauche. On va à droite. Et on va à l'automne. L'automne qui est là-haut. Une fois qu'on va à l'automne. Et voilà. Et là, ils ont dit de revenir, je sais pas où, au printemps ou à l'été. Et c'est fini. Ouais, c'est à droite. Super, j'ai ouvert une porte magique. Voilà, c'est là-haut. C'est là-haut. Mais j'y vais pas. J'y vais pas parce que je vais me remettre des vies avec des bonbons. Ou me racheter des bonbons. Sauvegarder. Et là, j'y vais. Captain Killion. Alors tu as fait quoi? Tu as joué à Street Fighter?
Béa la Poufias. Et comment il s'appelle déjà? Ticono, hein. Ticono. Comme Ticon. Ah, t'as joué à Yatagarasu. C'est le jeu que j'avais montré la dernière fois ou non, c'est autre chose? C'est quoi déjà? C'est plus. Oh, une petite sauvegarde bien sûr. Avant de se faire le boss des familles. Il est gratuit ton jeu de combat, Yatagarasu. Ah, il y a des paris. Arrête. Ah, pas gratuit. Offre-le-moi. Tu me le payes. Ah là là. Le village. Moi en fait j'ai plein de jeux de combat hein, et c'est de la merde. J'y joue jamais. J'ai Skullgirl, les Guilty Gear. Bon, ça rigole plus, baston. Baston de ouf. On va rééquiper. Parce que là les points là je le sens pas, on va rééquiper ça. Alors qu'est-ce qu'il craint? Est-ce qu'il craint Ondine ou Gnome? Je pense qu'il craint un gnome, mais bon. Enfoiré! ...78. Alors 78 c'est bien, mais je suis sûr que je peux faire mieux. Diamant. Mon diamant au 1200. Oh là là, oh ça marche le feu de Dieu. Il est mort, il est mort. J'ai pas XP niveau 2 pour rien le gnome tout à l'heure. Oh là là, je l'ai pété en deux. Maintenant, je vais pouvoir dépenser des noix aisément. D'ailleurs, j'en ai jamais gaspillé. Bon, Ticono niveau 16, Béa niveau 16, et ouais, bah, j'imagine que l'autre aussi. Alors là, c'est le moment farm, le moment le plus chiant. Mais vraiment le plus chiant. Hein. Mais parle, con! Parce que je vais devoir farmer. Je vais devoir farmer mes magies niveau 3. Du moins la magie Sylphide niveau 3. Parce que le prochain boss c'est un serpent qui craint Sylphide. Et voilà Sylphide, ma troisième magie. T'as vu Captain Quillon? J'ai ma troisième magie Sylphide. Reçu la magie de Sylphide. Mais oui! Utilise l'analyse! Eh oui, j'utiliserai l'analyse. Dans la forêt des bolets, blabla, dragon blanc, blabla, bolet, dragon. Dragon jaune, des dragons partout. Merde, ça me donne envie de jouer à USF4. Laisse-moi faire. Je sauvegarde ton jeu. Oui, sauvegarde. Vas-y, papy. Oui, j'ai reçu la magie de la graine. Je peux enfin monter mes magies de niveau 3. Car c'est ma troisième graine. Donc, magie défensive, c'est avec la fille. Alors, bon, là c'est niveau... Ah, on va voir les niveaux de la fille, les niveaux de magie. Alors ça c'est le niveau des armes. Et ça c'est le niveau des magies, donc... Le gnome est niveau 2, Ondine est niveau 2, bon ils peuvent monter niveau 3 donc, vu que j'ai une troisième graine.
Et là, Sylphide est niveau 0, donc il faut monter dans les magies défensives. Un peu Sylphide quand même. Mais pas trop. C'est plutôt les magies offensives qu'il faut monter. Bon, on va monter quand même niveau 1 les défensives. Au cas où je dois mettre une épée de foudre. Je sais pas ce qu'il me dit, le monsieur. Est-ce que tu sais, toi, Captain Killian? Ah d'accord. Ah là là. Voilà, en fait, Captain Kignon, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de monter ma magie défensive. C'est-à-dire, tu vois, là, il était niveau 0, 2.0. Sylphide. Et maintenant, il est 0, 2.72. C'est-à-dire, il est niveau 0 à 72% du niveau 1. Voilà. Donc là, par exemple, je vais le refaire encore un peu et ça va monter niveau 1. Je peux le monter jusqu'à niveau 3, on va s'arrêter niveau 1. Pour avoir l'épée de foudre niveau 1 quand même. Ça y est, niveau 1. Ouais, ouais, je l'ai complètement poncé le jeu quand j'étais petit et toute ma tendre adolescence, je l'ai farmé avec des collègues et tout. Je connais vraiment les moindres recoins de ce jeu. Là, je le fais en partie d'une heure à chaque fois. Là, c'est la cinquième partie. Ça fait 4h22 que je live. 4h22, ouais, que j'ai commencé le jeu depuis tout à l'heure. Mais je m'arrête pas, on continue et on fait le plus de parties possible pour upload un max de parties sur YouTube. Parce que j'enregistre bien sûr. Alors, bon, maintenant qu'on a la magie de Sylphide, c'est simple. On va XP la magie offensive hein, pour le prochain boss qui est un serpent géant. Parce que là, Aéro explose niveau 0, c'est de la merde. Un truc plus intelligent et faire il y a pas un truc qui donne non putain deux non, ben non c'est de la merde, c'est la magie qui gaspille le moins de PM.
avec le Sylphide. Ok, 54, ça veut dire que là, j'ai 54 points chaque aller-retour. Donc on va faire encore un petit aller-retour pour récupérer nos PM gratuitement, sans utiliser de noix. Hein, parce que les noix, c'est 1000 pots quand même. Alors le vieux, il nous restaure gratuitement les PM et les vies. Ouais, je veux bien que tu sauvegardes en fait. Donc là, j'ai 3 graines sur 8. Hein. Donc j'ai 3 magies différentes. Ondine qui est l'élément de l'eau. J'ai le gnome qui est l'élément de la terre. Et j'ai Sylphide qui est l'élément du vent. Voilà. Que je viens de récupérer d'ailleurs, Sylphide. Et donc voilà, là il faut que j'aille à Bolé. Il faut que j'aille à Bolé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah ouais, mais je dois XP Sylphide là, pourquoi j'essaie de les tuer? Alors ce jeu se joue à 3 en même temps. Ouah, 158 pots d'un coup, pas mal ça. Une fois qu'on met pas des pièges dans le coffre. Voilà, magie montée au niveau supérieur, Sylphide niveau 1. Chantelle arme niveau... Ah, je l'ai niveau 3, je vais essayer la charge niveau 3 de l'épée. Voyons voir ce qu'elle vaut la charge niveau 3 de l'épée. Ouais, c'est pas mal, ça fait 141 de dégâts quand même. Mais l'animation est à chier. On va augmenter Sylphide. Et on va gaspiller une noix sur Ticolo. Les noix à 1000 pots, hein. Super cher. Enfin, chez Chacha, parce que normalement c'est 500. Mais Chacha, ils vendent tout super cher de toute façon. Et donc on va continuer de disper l'elfe avec des noix, hein. On s'en bat les couilles. On va en racheter. Allez, on va claquer encore une autre.
moi. Ça fait 2 bifo là de gaspiller en 2 secondes avec les noix. 2000 pour juste pour avoir les PM à fond. Ça remet les PM, ça met 50 PM. Mais là au moins j'XP Sylphite tout en avançant dans le jeu. A tout à l'heure Captain Kinyo. Bonne vaisselle. Chaud. Claquer encore une noix, la dernière. Voilà, niveau 2, ça c'est fait. Me voici à voler Maxi. C'est Maxi. Dis-moi que tu vois que tu vends des noix à 500. Allez, dis-le moi. Oh oui, des noix à 500 et pas à 1000. Ça y est, c'est le premier vendeur de noix que je rencontre. Pouvoir XP rapidement. Thank you.
Voilà. Ah, j'ai pas de thune pour Hulk. Super. Le javelot dont j'en ai rien à foutre. Petite femme pour les maziers offensives, bien sûr. On va y aller à coups de noix. Ça ira tellement plus vite.
niveau 3, ça c'est vrai. Alors que Knave niveau 3, Sylvie niveau 3 est beaucoup plus long. Avoir les magies niveau maximum, c'est la base. Et voilà. Bonjour Super Banana Powa. Comment vas-tu aujourd'hui par cette belle fin de journée? Là j'ai monté mes magies niveau 3 avec le perso d'attaque. Regarde ça. Voilà, niveau 3. Niveau 3 et niveau 3. Moi ça va. Ça va. Un peu fatigué, ça fait 4h45 que je live. C'est la cinquième partie que j'enregistre là sur YouTube d'affilée. Je vais essayer de faire encore quelques parties. C'est des parties d'une heure. Donc, récapitulatif, j'ai toutes mes magies. Ok. Mais maintenant va falloir aller acheter des noix. Je vais actualiser le chat. Deux secondes. Voilà, j'ai relancé le chat, c'est nickel. Bon, alors les noix, ça remet des points de magie, mais est-ce que tu connais Secret of Bada? Super Banana Poa. Belon. Et pourquoi? Pourquoi Belon? Ah! D'accord, tu ne connais pas Secret of Mana. Ah, c'est le jeu qui a bercé l'enfance de bien des gens. Hein.
l'adolescence et même l'enfance. C'est un des premiers RPG action sur console. Hein. Mais ça veut dire quoi THR? Merde, mais je suis nul moi pour les abréviations, chevalier. Bon voilà, là il y a un boss, c'est le serpent. Hein. C'est un gros serpent et j'ai monté ma magie du vent niveau 3 exprès pour ce serpent. Ah merde, je suis pas la poufie. Elle s'appelle Béa parce que Dame Béatrice la poufiasse. Voilà. Ah merde. Oh, oh ça sent pas bon. Oh là là, c'est le bordel. Oh putain, mais. Oh mais. Oh secours! On se barre! Bordel de merde. Qu'est-ce qu'il faut utiliser déjà? Je ne le sais pas. Ok, il faut utiliser une arme. On va utiliser beaucoup de pif. Le boss, enfin. C'est pas trop tôt. Alors là, il va prendre cher, hein, vu que j'ai monté Sylphide niveau 3. C'est garanti. Hein.
chier là. Le fameux dragon blanc aux yeux bleus. Ses enfants, mais oui, ses parents ont dû être tués par le serpent. Mais oui, tout s'explique. Enfin, ça, ça a l'air pas trop possible, mais bon. Super, ma partie 5 va s'achever. Super, je vais pouvoir faire une pause de 2 minutes. Hein. Vive la vie. Ah, Flabby, il va s'appeler. Le roi truffe. Et c'est n'importe quoi, comment on appelle un roi truffe. Merde. Il va vous ralentir, je le garde ici jusqu'à ce qu'il soit un adulte. Roi truffe. Toi, tais-toi. Vous trois, continuez, je vais prendre soin de lui. Au fait, aimerez-vous le nom de Flabby? Verk, pas mal, on s'en fout. Je peux même pas choisir d'ailleurs. Attendez, je suis trop bête. Je n'ai pas à vous demander votre avis. Je l'appellerai Flabby, pointe à la ligne. Au fait, l'agence Canon a trouvé sa filiale dans la forêt au sud. Vous trouverez le palais de feu quelque part dans le désert de Kakara. Eh, mais il propose d'aller à Polera aussi. Hein. Donc j'hésite entre Polera et Kakara. Bon, alors, un petit dodo. Non, c'est pas ici le dodo. Ok. Merde. Merde. Bon, moi, la musique, elle a changé. C'était relou. Ok, j'ai hâte de monter sur le dos de Flabby. Je vous l'accorde. Je te l'accorde. Super banana. Ah, merde. Voilà, donc sur ce, la partie 5 de Secret of Badass, je sais pas quoi, let's play, casual, gaming, etc. avec couilles, c'est fini. Donc dans 5 minutes, hein, 5 petites minutes, je entame la partie 6, hein, ce sera ma 5ème heure de live non-stop.
C'est super. C'est super. La forme. Allez, à tout de suite.